Restera-t-il des entreprises après l'effondrement de notre modèle de société ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde une question qui peut être pertinente pour tous ceux qui pensent qu'un éventuel effondrement est possible ou en cours même. Restera-t-il des entreprises après celui-ci ? Alors, est-ce qu'on va être soumis à un effondrement ? De quel ordre ? Quand ? Comment ça va impacter votre vie, votre travail, les entreprises ? Et puis, quelles sont les solutions, les chemins à suivre pour se protéger au mieux ? Eh bien, on regarde tout ça dans cette vidéo. Selon Yves Cochet, l'effondrement, c'est le processus irréversible à l'issue duquel les besoins élémentaires comme l'eau, l'alimentation, le logement, l'habillement, l'énergie, etc. sont rendus indisponibles du fait de leur coût déraisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors cette notion, elle englobe divers phénomènes, des phénomènes climatiques, avec la dégradation environnementale, avec le changement, le dérèglement climatique, avec la perte de ressources essentielles, des phénomènes sociaux, des phénomènes géopolitiques comme les conflits, les guerres que nous vivons en ce moment, les maladies, les famines, les choses comme ça, et puis les grands changements industriels et technologiques comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotisation, qui ont de nombreux avantages et qui sont des technologies au demeurant intéressantes, mais qui menacent quant à elles aussi, malgré tout, des pans entiers de l'économie. Alors ces facteurs menaçant le modèle de société dans lequel on vit, pouvant de plus interagir et s'amplifier mutuellement, peut mener potentiellement à une spirale descendante difficile à inverser. L'idée centrale, c'est que les sociétés humaines sont des sociétés complexes, interdépendantes avec leur environnement naturel. Lorsque ces systèmes sont soumis à des pressions persistantes ou à des chocs soudains, sans adaptation adéquate, eh bien, ils peuvent atteindre un point de rupture. Ce point peut être caractérisé par une incapacité à maintenir les structures sociales, économiques, institutionnelles nécessaires à leur survie et leur prospérité. Alors est-ce qu'on risque d'être soumis à un effondrement ? Eh bien, on peut reconnaître aujourd'hui que notre monde contemporain est confronté à des défis complexes et complètement interconnectés. Les changements climatiques, on l'a dit, la perte de biodiversité, les inégalités socio-économiques croissantes, les tensions politiques, les crises sanitaires, les technologies utilisées sans être cadrées sont autant de signes avant-coureurs que certains considèrent comme des indicateurs possibles d'un effondrement. Peut-être même serions-nous-mêmes déjà en train de le vivre. La manière dont on va répondre collectivement à ces défis en termes de résilience, en termes d'adaptabilité, de durabilité, va déterminer en grande partie notre capacité à éviter, à atténuer en tout cas les conséquences d'un scénario catastrophe. Alors face à la question de l'effondrement, certains vont théoriser plusieurs scénarios envisageables reflétant une gamme de trajectoires possibles pour l'humanité et la planète. Ces scénarios varient en fonction de nombreux facteurs, notamment les actions humaines, les politiques adoptées, les avancées technologiques, les réponses de l'environnement naturel. Et voici quelques-uns des scénarios envisageables et l'humble avis que je porte sur ceux-ci. Le premier, c'est le scénario de l'effondrement complet. Dans ce scénario, les sociétés humaines seraient confrontées à un effondrement généralisé, rapide des structures économiques, sociales, politiques, entraînant une perte massive de population, un effondrement des infrastructures et une régression significative dans de nombreux domaines. Les causes pourraient inclure un changement climatique incontrôlable, des guerres généralisées, des pandémies dévastatrices ou une combinaison de crises écologiques, économiques et sociales, voire technologiques. Alors pour moi, c'est un scénario, celui-ci, assez probable au regard des conjonctions de crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Jamais dans l'histoire, on a eu tant de menaces simultanément. Ensuite, on a le scénario de déclin progressif. Ce scénario-là, il envisage un effondrement plus lent, plus progressif, marqué par une détérioration graduelle des conditions de vie, une augmentation des inégalités, une dégradation environnementale et une perte de biodiversité allant de pire en pire. Les sociétés pourraient s'efforcer de s'adapter, mais seraient constamment affaiblies par des crises récurrentes, des crises de ressources aussi de plus en plus limitées. Alors là, par rapport à ce scénario-là, j'ai envie de vous dire, c'est plus une prédiction ou de l'anticipation, on est vraiment en plein dedans. Ce qui fait que personnellement, je rejoins l'idée que nous sommes déjà en train de vivre les prémices d'un effondrement. Reste à savoir si on va continuer de le vivre progressivement comme celui-ci, de là à toucher petit à petit l'ensemble des classes, des couches de la population, ou s'il va se radicaliser, s'accélérer et revenir au scénario numéro 1. En fait, pour moi aujourd'hui, la question n'est plus de savoir quand va avoir lieu l'effondrement, mais combien de temps il nous reste pour éviter le pire. Ensuite, on a le scénario de la résilience et de l'adaptation. Dans ce scénario-là, les sociétés reconnaissent les signes avant-coureurs d'un possible effondrement et mettent en œuvre des stratégies proactives pour renforcer leur résilience. Ça pourrait inclure des innovations technologiques durables, des changements dans les modes de vie, une transition vers des économies circulaires et régénératrices, et une coopération internationale renforcée. Là, l'accent serait mis sur l'adaptation aux changements environnementaux et la prévention des risques les plus graves.
Alors ce que je pense de ce scénario, bien, c'est qu'il existe lui aussi d'ores et déjà avec des poches de personnes et de groupes qui s'organisent déjà en ce sens et pensent en ce sens. Malheureusement, à ce stade, le nombre de concernés reste vraiment anecdotique et il existe encore trop peu de projets sérieux, démonstratifs, extensibles d'alternatives à l'ensemble de la population. Néanmoins, ces initiatives vont être très très importantes à l'avenir puisqu'elles vont être agir comme des phares quelque part hein, si l'effondrement vient à être brutal pour aller chercher des ressources, des savoirs et bien des alternatives pour survivre. Ensuite, on a le scénario de transformation radicale. Ce scénario imagine une transformation profonde de la société où de nouveaux paradigmes économiques, sociaux, politiques émergent pour remplacer les structures actuelles. Ça pourrait impliquer un changement vers une société plus équitable, plus durable, plus en harmonie avec la nature, avec des innovations majeures dans la gouvernance, dans l'énergie, dans l'alimentation, dans le transport. Alors pour ce scénario-là, autant vous dire que je n'y crois pas trop. Hein. C'est pour moi plutôt le scénario qui se produira après l'effondrement, puisque si l'homme était capable de ce genre de transformation, de ce genre d'anticipation, eh bien il l'aurait déjà fait. Et l'histoire nous prouve que dans tous les effondrements, les sociétés ont majoritairement attendu de prendre le mur pour réagir. Donc je vois plutôt ce scénario comme une fois l'effondrement passé ou les cycles, on va dire, perturbateurs passés. Ensuite, on a le scénario de la technologie salvatrice. Dans ce scénario-là, les avancées technologiques jouent un rôle clé dans la prévention de l'effondrement. Des solutions innovantes comme la géo-ingénierie, l'énergie renouvelable avancée, la biotechnologie, les systèmes alimentaires durables pourraient aider à surmonter les défis écologiques et sociaux permettant à l'humanité de maintenir ou même d'améliorer son niveau de vie malgré les contraintes environnementales. Alors là, encore une fois, pour ce scénario, idem. Je n'y crois pas une minute, même si je ne suis pas anti-technologie du tout, et que certaines peuvent nous aider dans notre transition. S'appuyer sur le côté salvateur d'une technologie ou de quelques technologies, au vu du contexte que nous vivons, ce serait une énorme erreur à mon sens. Alors, l'impact sur nos modes de vie maintenant. Eh bien, un scénario d'effondrement complet ou progressif aurait des conséquences profondes et variées sur notre mode de vie, ainsi que sur le contexte économique des entreprises. Et voici quelques-uns justement des impacts potentiels qu'il pourrait y avoir. Tout d'abord, la rareté des ressources. La disponibilité des ressources essentielles comme la nourriture, l'eau potable, l'énergie pourrait devenir de plus en plus limitée, entraînant des augmentations de prix, un accès restreint pour de nombreuses personnes à celles-ci. En deux, on aurait des déplacements de population, les conditions de vie devenant insupportables dans certaines régions à cause des changements climatiques ou de la dégradation environnementale, etc. Eh bien, des flux migratoires massifs pourraient se produire, conduisant des tensions, conduisant des conflits régionaux. Ensuite, en trois, il y aurait des changements d'habitude de consommation inéluctablement face à la rareté et aux coûts élevés, eh bien les individus pourraient devoir adopter des modes de vie beaucoup plus frugaux en se concentrant sur les besoins de base et en réduisant leur consommation de biens non essentiels. En 4, la sécurité et l'ordre social, bien sûr, les tensions croissantes autour des ressources limitées et des inégalités exacerbées pourraient entraîner une augmentation de la criminalité, des troubles sociaux et potentiellement la venue de régimes autoritaires cherchant à maintenir l'ordre. Maintenant, voyons l'impact sur le contexte économique des entreprises. Eh bien, tout d'abord, les marchés seraient volatiles. L'incertitude et la rareté des ressources pourraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés financiers, des matières premières notamment, par exemple, rendant les investissements et la planification de grandes entreprises globalisées plus risquées, plus difficiles. Alors, on ne s'en plaindra pas au premier abord, bien entendu, mais ça peut avoir des conséquences assez imprévisibles sur notre quotidien. Ensuite, certains secteurs, comme les énergies fossiles, les industries fortement consommatrices de ressources, pourraient décliner, pourraient s'effondrer, tandis que d'autres, tels que les énergies renouvelables, par exemple l'agroécologie, les low-tech, le recyclage et bien d'autres secteurs encore peu consommateurs d'énergie, pourraient gagner en importance. Ensuite, les chaînes d'approvisionnement seraient perturbées. C'est vrai que les entreprises pourraient faire face à des défis majeurs dans leur chaîne d'approvisionnement, dus à des crises politiques, des catastrophes naturelles, des pénuries de ressources. Et là, ça pourrait beaucoup bouger les lignes aussi. Le prix des matières premières, bien sûr, dans un monde confronté à l'effondrement, les entreprises classiques, globalisées, peu résilientes, sont en première ligne. Elles dépendent de chaînes d'approvisionnement globales, de ressources finies, d'une économie stable. Et par là même, toute la série de consommateurs qui suit, qui représente la majorité de la population. Les entreprises qui pourraient donc avoir des difficultés majeures sont les industries des énergies fossiles, pétrole, gaz, etc. L'automobile traditionnelle, par exemple, l'industrie aéronautique, les industries extractives, minières, la construction et l'immobilier traditionnel, l'agriculture industrielle intensive, d'ailleurs ça commence déjà, l'industrie de la mode rapide, le tourisme, les loisirs de masse, par exemple.
Alors, il est évident que si vous travaillez dans ces secteurs-là, eh bien, il est peut-être temps de penser à rejoindre un secteur un petit peu plus sécurisé. Alors, évidemment, on pourrait se réjouir en tant qu'écolo de cela, et j'avoue être impatient de voir cet ancien monde disparaître comme vous. Mais j'ai envie de vous dire, vigilance quand même sur la rapidité et la brutalité à laquelle ça peut se produire, parce qu'on voit ce qui se passe quand les journaux télévisés annoncent une grève ou un blocage de l'essence, ou alors quand on a une méga promotion ou une méga solde avec des ruées de personnes complètement hystériques sur des pâtes à tartiner. Alors, imaginez un instant si vous enlevez la majorité du confort aujourd'hui assez brutalement à toutes ces personnes. Alors voyons maintenant à l'inverse les entreprises qui auraient un avenir. Comme on le disait précédemment, la fin d'un cycle, c'est toujours le début d'un nouveau. Ça veut dire qu'un éventuel effondrement ne serait pas perdu pour tout le monde. Des opportunités pourraient donc être très importantes. Les entreprises qui adoptent des modèles durables, des modèles circulaires, pourraient non seulement survivre mais aussi devenir des phares dans ce nouveau contexte, des leaders dans ce nouveau contexte. Donc les écopreneurs, finalement, dans tous les secteurs de la société qui œuvrent de manière éco-responsable dans la gestion de leurs entreprises, mais qui distribuent aussi des produits, des services sains, écologiques, utilisant des technologies sobres, accessibles, réparables, etc., qui aident profondément la planète et les humains, pourraient bien être les leaders de l'économie de demain. Et voici donc quelques types d'entreprises qui pourraient être mieux positionnées pour survivre ou même prospérer. Bien sûr, les énergies propres et low-tech, les entreprises qui proposent une solution énergétique qui est quasi indispensable pour notre survie, qui va être plus respectueuse des limites planétaires, qui aide à en économiser aussi, pourraient connaître une demande vraiment accrue. En deux, l'agriculture durable, l'agroécologie, les entreprises qui adoptent des pratiques agricoles durables qui favorisent la biodiversité, l'utilisation efficace de l'eau, des sols, qui produisent des aliments de manière éthique et respectueuse de l'environnement, eh bien, pourraient être mieux adaptées pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la dégradation des écosystèmes. En trois, la gestion de l'eau et des déchets. Les entreprises qui sont spécialisées dans les gestions efficaces de l'eau, dans le traitement des eaux usées, dans le recyclage, la gestion des déchets, pourraient jouer un rôle crucial dans la préservation des ressources, dans la réduction de l'impact environnemental de celles-ci. En quatre, technologie de l'information, de communication. Les entreprises qui offrent des solutions qui facilitent le travail à distance, l'éducation en ligne, la télémédecine et d'autres services numériques pourraient être moins affectées par les restrictions physiques et puis contribuer à maintenir la continuité des activités sociales et économiques. En 5, la santé, le bien-être. Et les entreprises qui sont de ces secteurs-là pourraient être essentielles pour répondre aux défis sanitaires croissants qui peuvent être très important, hein, les médicaments viennent majoritairement de l'étranger, avec des solutions de médecine douce, de thérapie alternative. Et les besoins pourraient se faire de plus en plus pressants aussi face aux problématiques psychologiques que de tels bouleversements pourront amener et amènent déjà. En 6, bien sûr, les infrastructures et la construction durable. Les entreprises qui conçoivent, qui construisent, qui entretiennent des infrastructures durables, y compris des logements écologiques par exemple, des systèmes de transport durables et des villes résilientes, pourraient être en demande pour reconstruire et adapter les environnements urbains et ruraux aux nouvelles réalités. Bien sûr, en 7, l'éducation, la formation. Les entreprises qui fournissent des services éducatifs, en particulier celles qui se concentrent sur l'éducation environnementale ou la transmission de savoir-faire alternatifs nécessaires dans ces périodes-là, les compétences de résilience, d'adaptation au changement, eh bien, pourraient devenir vraiment cruciales pour préparer les individus aux défis futurs. Pour conclure, eh bien, les entreprises sous une forme ou une autre existent depuis que les individus ont commencé à s'engager dans des activités commerciales organisées et puis à échanger des biens ou des services. La notion d'entreprise elle a évolué au fil des siècles en se développant en complexité avec l'avancement des sociétés humaines. Dans l'Antiquité, dès les civilisations anciennes comme en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, à Rome, il existait des formes d'organisation commerciale. Et les marchands, les artisans, les agriculteurs échangeaient leurs produits sur les marchés locaux ou à travers des routes commerciales plus étendues comme par exemple la route de la soie. Et puis au Moyen-Âge, par exemple, en Europe, les guildes sont apparues comme des associations de commerçants ou d'artisans qui partageaient les mêmes intérêts. Ces guildes régulaient la production, le commerce et même la formation dans leur domaine spécifique, représentant une forme primitive d'entreprise organisée. Alors ça signifie tout simplement que oui, les entreprises perdureront ou se reconstitueront après un effondrement, peu importe soit-il. La question surtout, c'est quel type d'entreprise, quel type d'économie perdurera. Les écopreneurs qui forgent l'économie régénératrice au service du vivant, du respect des limites planétaires et de l'humain au sens noble, eh bien, ont de très belles perspectives d'avenir et de résilience pour moi. Et à mon sens, ils vont d'ailleurs jouer un rôle majeur pour atténuer les dommages collatéraux sur les humains, pour apporter des solutions créatives aux enjeux que nous sommes amenés à vivre dès maintenant. Rappelons la célèbre citation de Bill Mollison, cofondateur de la permaculture, « Bien que les problèmes du monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent d'une simplicité embarrassante. » Car oui, nous avons
toutes les solutions aujourd'hui pour vivre durablement sur cette planète. Ce qui nous manque, ce sont des gens courageux, visionnaires, ambitieux, pour les proposer au monde, en fait, des millions d'écopreneurs. Alors pourquoi ce ne serait pas vous ? Eh bien, on en parle dans la description si vous souhaitez vous intéresser ou rejoindre ce mouvement. Et pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.